Ce sont là les paysages aux confins du Rwanda et du Kivu, en Afrique centrale, où je découvris la splendeur des éruptions volcaniques. À eux seuls, ces paysages me ravissaient, car les crêtes successives que séparent des brumes me ravissent toujours. Vint alors s'y ajouter, c'était en 1948, la fascination pour les yeux d'un spectacle peu commun et la fascination pour l'esprit du géologue que j'étais d'un phénomène bien mal connu encore, l'éruption volcanique. De celle du Kitoro, petit satellite du puissant volcan Nyiramagira, je n'ai sauvé que ces quelques images. Vieilles aujourd'hui de 36 ans, ce sont les toutes premières que j'ai jamais tournées. Ces cascades de rocs en fusion m'apprirent comment sont engendrées les laves dites cordées, parce qu'elles rappellent souvent des cordages bien disposés. Elles peuvent rappeler aussi la carapace de quelques monstres, de quelques dragons antédiluviens. Dragons antédiluviens, dont un soufflard exhalant une haleine acide à plus de 1000 degrés, serait la gueule. Le mythe du dragon, immémorial et universel, est à coup sûr né autour des volcans actifs. En juillet 1948, avec plusieurs mois d'expérience des laves en fusion, je voulus savoir ce qui colorait de rouge le Nyiragongo, puissant volcan voisin du Kitoro. Il fallut pour cela descendre dans son cratère à pic et traverser la terrasse qui s'étendait à son pied. Du bord de cette plateforme, nous découvrîmes, 200 mètres plus bas encore, au pied d'une muraille verticale, un lac de lave en fusion. À l'époque, c'était le seul lac de ce genre connu dans le monde. Fin 1949, je rendis ma première visite à l'Etna, montagne haute alors de 3300 mètres et qui en a aujourd'hui plus de 3400. La route s'arrêtait à 1900 mètres d'altitude et l'on gravissait à pied les 1400 mètres supérieurs pour atteindre les cratères quasi continuellement actifs qui couronnaient la montagne. La Voragine et la Bocca Nord-Est. Le plus régulièrement actif des deux cratères était la Nord-Est. Elle s'était ouverte en 1910 et à force de lancer des bombes volcaniques par milliers de tonnes chaque jour et de déverser des coulées innombrables, son cône s'exhaussait et prenait de plus en plus d'importance. Vincenzo Barbagallo était alors le chef des guides de l'Etna. Grâce à lui, j'arrivais à connaître beaucoup plus vite et beaucoup mieux ce volcan peu ordinaire que je n'aurais fait seul. Les bombes que la Bocca Nord-Est lançait s'abattait parfois bien au-delà du pied du cône et s'enfonçait d'autant plus profondément dans les mètres et mètres de neige accumulées qui couvrent en hiver le haut de la montagne qu'elles étaient lourdes et brûlantes. L'activité de l'Etna était alors quasi ininterrompue. Mais à cette activité permanente et relativement modérée, des éruptions de plus grande envergure de temps à autre se superposent. Ainsi celle de 50-51, qui dura une demi-douzaine de mois et vomit des milliards de tonnes d'une lave exceptionnellement fluide. En 1953, deuxième visite au Nyiragongo. Depuis ma découverte du lac de lave, 5 ans plus tôt, je rêvais d'en atteindre la rive.
Pour cela, après avoir rejoint la terrasse au pied de la paroi supérieure, il fallait franchir la deuxième paroi, verticale, celle du puits central, haute de 180 mètres et faite de rocs instables. Mon camarade Louis Tormoz et moi, nous redescendîmes donc sur la terrasse supérieure pour tenter l'aventure. Mais elle avorta à cause du très mauvais temps et des difficultés soulevées par une administration tatillonne et jalouse. Je fus surpris de découvrir qu'entre mes deux premières visites, le lac s'était calmé, s'était rétréci et s'était enfoncé d'une cinquantaine de mètres, abandonnant une deuxième terrasse circulaire. 1956 fut l'année où, enfin, je pus aller faire la connaissance d'une cinquantaine de volcans, alors célèbres parmi les volcanologues. Le tour du monde des volcans, comme le baptisa mon compagnon Pierre Bichet. Le quadrimoteur Aélis d'Air France, que pilotait ce jour-là mon ami Yves Olivo, nous fit passer devant le Fujiyama ou Fujisan, le volcan sacré des Nippons, assoupi depuis deux siècles et demi passés. L'un des cinq volcans que nous avons visités au cours de ce premier voyage au Japon fut Lasso, dans l'île de Kyushu. Lasso est relativement fort actif en ce sens que ses éruptions sont beaucoup plus fréquentes que celles de la plupart des volcans, lesquels, entre deux éruptions, dorment souvent pendant un siècle ou pendant plusieurs. Nous avons essayé d'atteindre le petit lac circulaire contenu dans un anneau de cendres qui était niché au fond de ce vaste cratère, lui-même niché dans la caldeira gigantesque d'Asso, large de 25 km sur 18. Le Sakurajima, aussi tout au sud de l'île de Kyushu, est très actif. Et il était même en éruption et formellement interdit d'accès par la police lorsque nous en fîmes l'ascension. Bichet, notre guide Kano, ma femme France et moi. Depuis le bord du cratère, large et profond de 250 mètres environ, nous avons pu voir une série d'explosions paradoxalement silencieuses. Car le fracas attendu était étouffé sous d'énormes épaisseurs de cendres, explosion de type dit vulcanien, d'autant plus redoutable que ces tourbillons surchargés de poussière, de roches, recèlent d'innombrables bombes volcaniques pouvant peser jusqu'à des centaines de tonnes. Je n'apprécie guère la classification en usage pour distinguer les divers types d'éruptions, hawaïennes, stromboliennes, vulcaniennes, péléennes, etc. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ici pourquoi cette classification ne me satisfait pas, mais je tiens à vous le dire. La lenteur avec laquelle ces panaches tourbillonnants s'élèvent n'est qu'apparente et elle donne l'échelle du phénomène. Les 100 premiers mètres de dénivellation étaient franchis par les projectiles en une seconde et demie environ, 300 km à l'heure. Cette vitesse diminue à mesure que le panache s'élève, car l'impulsion initiale n'est que momentanée, alors que la résistance de l'air et la pesanteur sont permanentes. Ce fut là que fut filmée pour la première fois, et à ma connaissance jusqu'ici la seule, cette collerette qu'en jargon volcanologique on appelle un « base surge », que l'on pourrait traduire par « puissante houle de base », vague terriblement destructrice et meurtrière lorsqu'elle n'est pas, comme ici, contenue à l'intérieur du cratère. Au centre de l'île surpeuplée de Java, le Merapi est l'un des volcans les plus redoutés qui soit et, pour les volcanologues, l'un des plus intéressants. À près de 3000 mètres d'altitude, son cratère est d'ordinaire occupé par un dôme de lave visqueuse qui le remplit. Ce dôme, qui croît jusqu'à ce qu'une éruption violente, au terme de quelques années de croissance, le fracasse, ce dôme est, pour les magmas acides et visqueux, ce qu'est un lac de lave pour les magmas plus fluides. Ce dôme-ci, en 1956, croissait depuis 1951 et il devait éclater en 1957. Sur les milliers de volcans actuels, il y en a à peine plus d'une douzaine à être en éruption permanente et sur cette douzaine, il n'y en a pas trois, dont celui-ci, à être alimenté par des magmas visqueux. C'est dire combien peut être intéressante l'étude du Merapi. Au cours des trois derniers siècles, la durée de croissance des dômes successifs du Merapi avait varié de 3 ans au minimum jusqu'à 7 ans au maximum, entre deux éruptions à nuée ardente,
explosion qui fracasse le dôme et évacue le trop-plein de gaz accumulé. Après quoi, recommence le cycle d'émission lente des laves visqueuses. À l'ouest du Merapi, le Sumbing. Et, dans la partie orientale de Java, le Bromo. Comme le Merapi, le Bromo est très actif, mais il n'est pas violent. Du moins, ne l'a-t-il jamais été au cours de ces derniers siècles. Mais son cratère est suffisamment impressionnant pour avoir empêché quiconque d'y descendre jusqu'à ce que nous y réussissions en juin 1956, mon ami, le volcanologue indonésien Zen, et moi. Il nous fallut, d'ailleurs, deux essais pour y parvenir. Lors du premier, nous avions été arrêtés par l'émission de cendres beaucoup trop épaisse. Kawah, ce qui signifie cratère en indonésien, le Kawah Ijen, se trouve tout à l'est de Java, en bordure du détroit de Bali. J'en tombais à jamais amoureux dès la première de toutes les visites que je pus lui faire par la suite. Je savais, par toutes les études des volcanologues hollandais d'avant 1940, que le lac d'Ijen n'était pas d'eau, mais d'un mélange quelque peu infernal d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique, dont la température en surface était d'une soixantaine de degrés et, sur le fond, de plus de 200. Les soufflards et les évents que l'on voit sur les rives du lac vomir du soufre gazeux et du soufre liquide sont les frères de ceux qui font de même sur le fond du lac, et cela explique son extrême acidité et ses températures élevées. Le soufre fondu ruisselle et peu à peu, se refroidissant, il se fige et forme des stalagmites. René Fèvre-Pierret, dit Yeti, Jean-Christophe Sabrou, François Le Guerne, analysent les gaz, les échantillonnent pour analyse complète au labo, en mesure les températures. Mesurent aussi, pour contrôle, la température, 444 degrés centigrades, du soufre fondu qui s'est accumulé en une petite mare. Quant au soufre solide, cristallisé ou stalagmitique, il est exploité de façon très primitive encore. Voici l'aspect qu'avait en 1956 le redoutable voisin du Kawah Ijen, le Raung. Au Salvador, en Amérique centrale, l'Izalco était encore en 1956 l'un de ces rares volcans, moins de 1 pour 1000,
à être en activité éruptive quasi permanente, et cela depuis sa naissance en 1770. Il s'est endormi peu après notre passage, au cours duquel, profitant d'une accalmie relative, longue de quelques heures, nous fûmes les premiers à en atteindre le sommet. Le cratère rempli de lave, solidifié mais encore brûlante. En son milieu, à une bonne centaine de mètres du bord, s'ouvraient quatre puits incandescents d'où fusaient des gaz sous pression. J'essayais d'en atteindre la lèvre, mais préférais battre en retraite. En retraite d'abord, puis, l'activité du volcan s'exacerbant, en fuite. Costa Rica, le cratère de l'Irassu contenait alors un petit lac coloré en rouge par de l'hématite en suspension. Ce lac fut volatilisé par la puissante éruption de 1963-64. Les images que j'en avais alors rapportées ont été égarées. Hélas, car il y en avait d'impressionnantes. Et nous survolons quelques-uns des volcans qui forment ce que Mermoz avait appelé le boulevard des volcans, la cordillère des Andes. En septembre 1957, une éruption éclata au large du cap Capelinhos, à l'ouest de Fayal, l'une des îles Açores. Je me trouvais alors sur le Kilimandjaro, au cœur de l'Afrique, et il me fallut plus de 10 jours pour atteindre Fayal. En ces 10 jours, un îlot volcanique était apparu à 1000 mètres du cap, et cet îlot s'était ensuite transformé en péninsule. Le phare de Capelinhos se trouvait désormais à 1 kilomètre de la côte. Les cendres que le volcan vomissait étaient déjà épaisses de plusieurs mètres. La première surprise du volcanologue encore bien ignare que j'étais, malgré 10 années déjà d'expérience, fut de constater la proportion énorme de cendres fines que le volcan expulsait. Cendres, c'est-à-dire poussière volcanique. D'habitude, ce sont les laves visqueuses, andésites, dacites ou rhyolites, visqueuses donc potentiellement très explosives, qui, par ces explosions, produisent des cendres volcaniques. Pas les basaltes, qui sont fort fluides et par conséquent peu explosifs. Or, le volcan de Capelinhos vomissait des basaltes, et cela sous forme de cendres. Je fus aussi très surpris de m'apercevoir que les éruptions sous-marines, malgré leur aspect proprement formidable, étaient paradoxalement silencieuses. À distance, silencieuses totalement. Pour ceux qui s'approchaient assez, silence martelé de coups sourds. Tout cela provenait du fait que les explosions se produisaient sous une épaisseur d'eau de plusieurs dizaines de mètres. Au lieu des habituelles gerbes de projectiles incandescents, ce qui jaillissait de la mer était d'un noir qui m'impressionnait. Noir dû au trempage des lambeaux de lave vomis par le cratère sous-marin. Cette eau d'ailleurs apparaissait dès que la température descendait jusqu'au sous le point de condensation où des volutes naissaient, faites de myriades de micro-gouttelettes. À
À la pointe de chacun des jets de cendres, on distingue un projectile volumineux. Il se trouve là parce que, grâce à sa masse, il est beaucoup moins freiné par l'atmosphère que les sables et les poussières constituant les cendres et va donc beaucoup plus vite. Cela donne à ces explosions sous-marines l'allure d'un bouquet de sapins ou encore de cyprès, et les volcanologues parlent de jets cypressoïdes. Les jets dépassaient souvent les 6 voire les 800 mètres d'altitude. Ils jaillissaient de la mer à des vitesses allant de 2 à 400 km à l'heure. La petite silhouette donne l'échelle. Sur la mer, la grêle de la Pilly. De l'île volcanique de Fayal, dans l'Atlantique, à l'île volcanique de Stromboli, dans la mer Tyrrhénienne, au nord de la Sicile. En 1957, ce devait être la 20e visite que je faisais à ce volcan, peut-être le plus constamment actif du monde. Cette fois-là, nous avons trouvé le cratère à la fois très actif et, grâce au fait que les projectiles, au lieu d'être lancé à la verticale, l'était vers le nord, accessible par le sud. Rien ne s'abattit durant les longues heures où nous l'avions observé. Je descendis dedans pour essayer de voir ce qui se passait dans la cheminée d'alimentation. Bichet filmait cela pendant que je filmais l'intérieur du volcan. France, ma femme, était heureusement demeurée au village. Ce coup d'œil, qui dura plus d'une heure, me montra que ce que l'on appelle communément activité strombolienne, c'est-à-dire des explosions sporadiques jaillissant d'un cratère, ressemblait, pour celui qui pouvait la regarder d'assez près, à l'activité dite hawaïenne, de lacs de lave brassés par des fontaines. Je filmais pour la énième fois ces belles fontaines de lave lorsque je vis, dans le viseur de la caméra, la moitié de droite du balcon de basalte sur lequel je me tenais, sapé par-dessous, s'effondrer dans la lave en ébullition. Je filmais cette petite avalanche en me disant qu'il était heureux que ce fût la moitié de droite et pas celle de gauche. Retour au Capellinhos en mai 1958. En 8 mois, un puissant édifice volcanique s'était accumulé et le phare se trouvait désormais plus bas que son proche horizon. L'activité avait changé du tout au tout. Plus de jets noirs, pointus et rapides, plus de cendres, plus de silence lourd, mais une activité basaltique banale, bruyante, de lancer de lambeaux incandescents, activité dite strombolienne, mais qui, pour celui qui s'aventure à regarder dans la gueule du cratère, peut aussi bien être appelée hawaïenne, activité de fontaine de basalte en fusion. Lorsque le niveau de la lave est bas, l'on ne voit depuis l'extérieur que le haut des gerbes, et c'est ici le cas. Lorsque le niveau est proche du bord, on peut voir l'ébouillonnement. Le magma qui alimentait l'éruption était cependant rigoureusement identique à celui qui alimentait la phase initiale, celle au puissant jet de cendre noire. Ce qui avait changé, c'était le fait que sous l'accumulation de ce que le cratère vomissait, un anneau de pierre avait fini par complètement isoler la bouche éruptive de la mer. L'éruption avait cessé d'être sous-marine. Et les myriades de bombes volcaniques, de lambeaux de lave fondue,
dont le poids pouvait atteindre des tonnes, était désormais lancé dans l'air directement et non plus sous l'eau. Et cela supprimait un mécanisme qu'à présent je comprenais, celui du piégeage sous ces lambeaux à 1100 degrés, d'eau aussitôt vaporisée à des températures qui, sous la pression existante, étaient explosives. Et l'explosion de cette vapeur piégée fracassait la bombe ou le lambeau de lave, ce qui engendrait les cendres dont, jusque-là, je ne m'expliquais pas l'origine. Je compris là l'origine aussi de ce que l'on appelle palagonite ou encore hyaloclastite, épais tube basaltique dont la genèse était jusque-là demeurée obscure. De nouveau le Zaïre, de nouveau le Niragongo. Après des années perdues pour vaincre les chicaneries administratives, nous fîmes une nouvelle tentative pour atteindre le lac de lave cette année-là. On n'avait pas encore inventé les descendeurs ni les jumards et je ne voulais pas, dans la très instable paroi du puits central, descendre en rappel ni remonter en varap. Et nous avions résolu d'utiliser un treuil de spéléo, de la spéléo de l'époque j'entends, un treuil équipé d'une espèce de beaupré destiné à éviter le frottement du câble de suspension contre la paroi. Et je fus le premier à être descendu. En une heure à peu près, j'atteignis ainsi la deuxième terrasse, entrevue pour la première fois en 1953, qui se trouvait à 360 mètres sous le bord supérieur du cratère. Deux compagnons me rejoignirent, mais faute d'équipement suffisant, il nous fallut finalement renoncer à franchir les derniers 50 mètres à pic de la troisième paroi, né depuis notre visite précédente par le fait que la surface du lac s'était enfoncée d'autant. Le lac était plus petit et beaucoup plus calme qu'auparavant. L'année suivante, 1959, équipé en conséquence, nous réussîmes à descendre jusqu'au lac de lave lui-même, à 435 mètres sous la lèvre du cratère, et à y travailler une semaine durant. Malheureusement, les images que j'en avais ramenées ont mystérieusement disparu, et nous ne pourrons guère vous montrer que quelques doublons heureusement retrouvés. Dont on mesure ici la température, 1120 degrés centigrades, n'est pas l'échantillonnage des gaz très exceptionnellement purs que nous y avons prélevés, ni les gens sur la rive même de ce lac, enfin atteints
au terme de 13 années que nous y rêvions. Diverses, sautons une dizaine d'années, une quarantaine de volcans et deux douzaines d'éruptions, et nous voici en 1968, volcanologue chercheur et volcanologue porteur, dit Sherpa, gravissant une nouvelle fois l'Etna. Le travail, c'est bien, le divertissement l'est aussi. Et pratiquer le rugby à 3000 mètres d'altitude et en tenue de combat volcanologique, cela valait la peine d'être fixé sur la pellicule, car à 3000 mètres, le souffle, il est court. Montions là vers le cratère central où venait de brutalement s'ouvrir une gueule éruptive large de 7 mètres à peine, mais vraiment très virulente. De temps en temps, cette bocca nuova lançait dans le ciel des anneaux dignes d'un vieux fumeur de pipe. La bocca nuova, la bouche nouvelle, était assez terrifiante et le danger n'était pas nul. Mais elle semblait aussi offrir aux volcanologues une occasion très exceptionnelle d'étudier les gaz éruptifs. Par gaz éruptif, il faut entendre ceux qui n'ont été mélangés ni d'eau souterraine, ni d'air atmosphérique, donc ni hydratés, ni oxydés, ni refroidis, mais des gaz tels qu'ils ont été engendrés par le magma profond. Le plus souvent, il est impossible de les échantillonner. Ici, nous l'avons fait. Malheureusement, les analyses devaient nous montrer qu'entre deux trains de bouffée successifs, de grandes quantités d'air étaient aspirées par la gueule et que cet air altérait la composition de nos gaz. Nous y avons dosé en effet beaucoup d'azote, d'oxygène et d'argon, c'est-à-dire de l'air, mais aussi, dans les bouffées puissantes, jusqu'à 50% de dioxyde de carbone, de l'anhydride sulfureux, de l'hydrogène. Non sans mal, nous y avons installé une sonde faite d'un tube d'acier dans lequel passaient les fils reliant les capteurs de vitesse, de température et de pression placés à son extrémité, les reliant donc aux enregistreurs, eux logés en un lieu moins exposé à 50 mètres en arrière. Nous avons enregistré des vitesses atteignant 160 mètres secondes, c'est-à-dire plus de 500 km à l'heure, et des températures de l'ordre de 1000 degrés centigrades. D'autre part, pour chercher à découvrir les éventuelles variations de la chimie des gaz éruptifs en fonction des soudaines augmentations de débit et de température, nous avons prélevé quantité d'échantillons pour les analyser ensuite au labo. Très étonnante dépression tectonique de l'Afar, qui, nous l'avons vu dans la deuxième émission, constitue avec la mer Rouge et le golfe d'Aden un océan dans l'enfance, et par-delà la fabuleuse plaine de sel de Dalol, dans la chaîne volcanique qui la limite au sud, nous avons, en 1968, découvert, dans le vaste cratère elliptique
de l'Ertale, elliptique car parallèle à la direction tectonique de la mer Rouge, un lac de lave en fusion occupant son extrémité septentrionale. C'était, après celui du Nyiragongo découvert 20 ans auparavant, le deuxième lac de lave permanent, connu alors à la surface du globe. Mais autant celui du Nyira était difficile d'accès, autant celui-ci ne l'était pas. À fleur de plancher du cratère, lui-même très accessible par le sud, la lave en fusion était d'autre part des plus paisibles. De nouveau l'Etna. En 1971, une éruption avait éclaté vers les 3000 mètres d'altitude, puis, après un mois d'activité spectaculaire là-haut, la fissure éruptive prit en écharpe tout le haut du flanc sud de la montagne et s'ouvrit jusqu'à 1800 mètres. Et les laves qui sortirent de ce point relativement bas descendirent jusqu'au bourg, étagé à partir de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Fataliste, ce vieux vigneron s'en va sulfater une vigne que les coulées menacent. Comme elles menacent les demeures. Lentes mais inexorables, elles avancent à travers tout. Lorsque tout espoir est perdu, l'on sauve ce qui peut l'être. Les volcanologues sont toujours à la recherche d'informations qui permettraient de mieux comprendre le phénomène et donc éventuellement de le prévoir. Et ce ne sont guère ces aspects dramatiques qui nous attirent, mais beaucoup plus les bouches éruptives d'où ces coulées proviennent. Aussi gravissons-nous, une fois de plus, les pentes familières du Mongibello, autre nom que les Siciliens donnent à l'Etna. C'est dans les fumées, là-haut, à gauche, au pied du cône sommital, que les choses qui nous intéressent se passent. Au pied du cône terminal, vers les 3000 mètres d'altitude, une gueule explosive s'était soudain ouverte après plusieurs semaines d'éruption, et cette gueule avait une activité tout à fait inhabituelle pour l'Etna, une activité de cendres noires mêlée de volutes blanches de vapeur d'eau. Comme pour l'éruption sous-marine de Capellinus, cette anomalie était provoquée par l'eau, mais pas par celle de la mer ici, celle des épaisseurs de neige de l'Etna hivernale. Les bombes qui s'abattaient ici, dans l'épais tapis de cendres tout autour de moi, m'inquiétaient et tout à la fois me fascinaient. À
À circuler sur des laves encore chaudes, on ne se douterait pas que cela se passe alors qu'une épaisseur de plusieurs mètres de neige couvre encore les pentes supérieures de l'Etna. Et cette coulée ne progresse pas sur la neige, mais sur le sol et au travers de la neige, qui, évidemment, fond au contact de cette masse à plus de 1000 degrés. Les pylônes, ce sont ceux du téléphérique qui insultaient l'Etna comme d'autres téléphériques insultent le massif du Mont Blanc ou la mer. Mais l'Etna, lui, il peut se défendre. Pour aller mesurer et échantillonner dans les gueules éruptives d'où s'échappaient les coulées, il fallait se protéger de la chaleur par des vêtements spéciaux et par une visière à feuilles d'or et des bombes par un heaume posé sur les épaules et non pas sur la tête. Les vertèbres cervicales et les muscles du cou ne valent pas ceux du dos et des rames. Nous sommes à l'intérieur de ce petit cratère adventif. Notez sa crête derrière les fontaines incandescentes. C'est de cette crête, mais de l'extérieur, que vous allez voir le Gern prélever des échantillons de gaz avec une perche spéciale qu'il avancera par-delà la lèvre à pic dans les jets de gaz éruptif, inaccessibles par l'intérieur du cratère. Sur un autre évent, l'homme au deuxième plan va échantillonner les gaz éruptifs et celui du premier plan va tenter de mesurer la pression et la température de ces jets étonnamment puissants. Tellement puissants que malgré sa musculature d'athlète et malgré les quelques centimètres carrés seulement de la surface offerte par les capteurs, Ranran ni Fanfan ne parviendront à maintenir leurs instruments dans le jet gazeux. Les capteurs étaient raccordés aux enregistreurs par des câbles. La vitesse était mesurée par une hélice à axe vertical dont le roulement était refroidi par l'eau contenue dans le récipient métallique au-dessus du capteur. Cette vitesse était de l'ordre de 300 km à l'heure et en quelques secondes, l'hélice avait été portée au rouge. Depuis 1959, j'étais retourné dans le Nyiragongo à diverses reprises et chaque fois je l'avais trouvé différent. Ici, en 72, nous y avons conduit une grosse expédition, beaucoup trop grosse d'ailleurs. 200 porteurs des Banyarwanda nous furent nécessaires. Au travers de la forêt équatoriale d'altitude, nous montons jusqu'au camp des Bruyères vers les 3000 mètres. Puis, plus haut, nous gravissons les dernières pentes couvertes de lobélie et de sensons géants. À 3470 mètres, le sommet, ou mieux, la lèvre du cratère, et le repos au camp que nous y planterons. Michel Vaucher, alpiniste genevois de très grande valeur. Visiblement fatigués, Le Guern et Michel Loy, excellents alpinistes eux aussi. Pierre Bichet et Yvette Vaucher, alors la femme, à être montée le plus haut au monde sur l'Everest. Depuis ma dernière visite, en 1966, le fond du cratère avait considérablement changé.
Le profond puits central avait été progressivement comblé par la remontée du niveau du lac. La deuxième terrasse n'était plus qu'à 3 mètres à peine sous la première et le lac de lave ne se trouvait pas à plus de 50 mètres sous la terrasse supérieure. Descendre la paroi est désormais des plus simples, mais comme la moitié des quelques douzaines de participants de cette expédition monstrueuse n'avaient jamais pratiqué l'escalade, il convenait que les alpinistes chevronnés s'en occupent pour assurer une sécurité maximale. En nettoyant la paroi de ces blocs instables, en fixant des pitons d'assurance, en installant des cordes fixes et même, en un certain point, une échelle d'alu. Et, pendant 2 journées pleines, nous ferons la navette dans la paroi pour assurer la descente des cordées de néophytes. Le camp du sommet et le camp de travail dans ce temps médiocre, trop fréquent sous l'équateur ou haute latitude. Entre la première et la deuxième terrasse, que mètres de dénivellation seulement et une large crevasse. Nous allons travailler les gaz puissamment émis par le lac qui se trouve 50 mètres plus bas, à l'aplomb de son panache, et que le vent rabat vers nous. En contre-champ, voici le lac de cette année 1972. Il était aussi violemment actif que celui que j'avais découvert en 1948. Il était logé tout contre la paroi ouest du puits, large de quelques 200 mètres, et à l'est du lac s'étendait une terrasse horizontale de quelques 20 000 mètres carrés. Dès la première de la douzaine de nuits que nous avons passées cette fois dans le cratère, nous avons découvert que le lac tout à coup se mettait à enfler jusqu'à déborder et à s'épancher sur cette plateforme qu'il envahissait en quelques minutes sous une épaisseur de 2 à 3 mètres de lave liquide. Nous étions réellement fascinés par la progression rapide mais qui semblait lente à cause des dimensions mêmes de l'événement. Je sais que ces images impressionnent moins que les coulées déchaînées, et il y en avait là-bas aussi cette fois, ou que les feux d'artifice volcaniques, mais moi, elles m'impressionnent incroyablement plus, peut-être à cause de l'ampleur exceptionnelle du phénomène, que, faute de point de comparaison, ces images ne peuvent rendre. Mais songez qu'un homme est beaucoup plus petit que le liséré clair qui constitue le fond de cette marée en train d'envahir tout le fond du formidable puits du Niragongo. Ceci, c'est la peau de refroidissement après un débordement quand le lac regagne son lit, peau qui glisse et révèle la chair incandescente. Dans les gorges, dans ces canyons que vous avez peut-être remarqués et qui creusaient la plateforme inférieure, les débordements se transformaient en coulées impétueuses.